Ciel, l'interview sur Radio Classique et Public Sénat. Bonjour, bonjour Gilles, bonjour Charles Pellegrini, vous êtes l'ancien patron de l'OCRB, vous connaissez bien ces questions, il est inutile de vous présenter, les auditeurs de Radio Classique et ceux de Public Sénat vous connaissent. Bah, la situation, elle est assez claire, non. On est dans un quartier nord de Marseille, le RAID est sur place, de Toulouse, pardonnez-moi, oui, tout d'un coup, voilà, l'émotion. C'est un immeuble de 4 étages qui s'appelle la Côte Pavée, il y a donc ce jeune homme à l'intérieur qui a 24 ans et qui a été donc à plusieurs reprises, semble-t-il, à la frontière entre l'Afghanistan et le Pakistan. La question, d'abord, la première, c'est comment négocie-t-on ? Écoutez, est-ce que c'est le cas actuellement ? C'est une question, j'allais dire, les négociateurs ont la technique, mais c'est une question de bon sens. On essaye d'appuyer sur les ressorts qui pourraient amener le forcené, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, à se rendre sans trop de dégâts. Il a quand même déjà blessé 2 policiers, donc on a essayé la maman qui a dit... Soit c'est un mensonge diplomatique, elle a dit qu'elle n'avait aucune influence sur lui, et puis après c'est tout, après c'est le négociateur qui essaye de lui expliquer qu'il a intérêt à se rendre, parce que sans ça on va donner... Et là ce n'est que le négociateur du RAID qui parle avec lui, c'est-à-dire qu'il y a une seule personne qui parle avec lui. Oui, parce que la multiplicité d'interlocuteurs fait passer différents messages et peut dérouter. Donc là c'est le négociateur ou les négociateurs, ils sont peut-être 2, en tout cas qui sont formatés pour ça, qui ont l'habitude. Est-ce qu'il y a des mots, des choses à ne pas faire et des mots à ne pas employer ? Je ne sais pas, il y a sûrement des mots à ne pas employer. Ce qu'il faut essayer de lui faire comprendre, c'est que ça ne mène à rien. En fait, j'allais dire, il faut vraiment le faire comprendre que ça ne mène à rien. Et j'allais dire, alors je vais être un petit peu dur, mais il faut qu'il arrive soit à se rendre, soit à se mettre une balle dans la tête. Le pire, ça serait de donner l'assaut. Et puis, qu'il y ait des blessés dans le RAID, il y en a déjà eu assez de morts et de blessés comme ça. Tout ce quartier de Toulouse est totalement bloqué ce matin. Alors, on va revenir avec Gilles sur la personnalité de ce personnage, les voyages, etc. Mais je voudrais terminer, évidemment, sur l'enquête. Visiblement, il était quand même localisé, enfin connu de la DCRI, donc les services de Bernard Square. Comment se fait-il qu'il ait fallu, non pas attendre ce matin, mais comment se fait-il que des gens qui sont surveillés par la DCRI ne sont pas interpellés s'ils sont a priori dangereux ? C'est une question que je vous pose, hein, vous allez nous répondre. Oui. Et puis comment on a réussi, via un concessionnaire, à repérer, et là c'est les cyberpoliciers, peut-être une visite du frère qui a demandé un scooter qu'on pouvait customiser, dont on pouvait désamorcer finalement le GPS. Alors, deux réponses. D'abord, votre première question, nous sommes dans un état de droit, et tant qu'on n'a pas commis un acte qui relève du code pénal, eh bien on ne peut pas interpeller quelconque. Ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que la force de la police française, de la DCRI et de la police judiciaire avec sa sous-direction antiterroriste, c'est sa banque de données. Dans les ordinateurs de Levallois et de Nanterre, il y a des milliers, peut-être des dizaines de milliers de noms de terroristes, de personnes qui sont allées faire des stages en Afghanistan ou au Pakistan, de leurs proches, de leurs familles, et tout ça... Il y a des contrôles quand ils passent les frontières, quand ils sont dans un commissariat pour une raison ou pour une autre, mais on ne peut pas, évidemment, interpeller quelqu'un avant le passage à l'acte. Et ensuite, la deuxième force a été, effectivement, de mettre 200 policiers de police judiciaire, d'enquêteurs sur le terrain, j'allais dire quand même la fine fleur de la police française, qui ont déroulé le rouleau compresseur de tous leurs moyens. D'où l'enquête sur les concessionnaires, voilà, les caméras, du frère, de la mère. L'environnement, le moindre personne qui était prêt, on fait tout l'environnement par cercle éloigné. Donc si vous voulez... C'était clair que ce bonhomme ne pouvait pas aller loin. Alors je rappelle que nous sommes donc en phase de négociation dans ce quartier nord de Toulouse, dans un immeuble qui s'appelle la Côte Pavée, avec ce jeune homme de 24 ans. Gilles, maintenant revenons sur sa personnalité. Oui, son profil. Charles Pellegrini, est-ce que le profil dont on parle ce matin, il faut rester évidemment prudent, apparemment il se réclamerait d'Al-Qaïda, etc. Est-ce que c'est quelque chose qui vous surprend, qui vous étonne ? Est-ce que c'est la bonne piste ? Et à vos yeux, est-ce que c'est quelqu'un qui est isolé ou aurait-il bénéficié, par exemple, de complicité ? Alors, 3 réponses. Il y a eu plusieurs pistes. Bon, la piste des néo-nazis qui faisait plaisir à beaucoup de gens, elle a été éliminée très vite. Et là, on a commencé à penser à quelqu'un un peu messianique, c'est la caméra. Il y avait, à partir du moment où on l'a vu avec une caméra vidéo sur la poitrine, il y avait 2 hypothèses. Une très ténue qui était, c'était un pervers qui allait jouir
des impacts de balles, et l'autre, c'était quelqu'un qui allait poster une vidéo sur le net pour faire passer un message. Et là, c'était clairement du côté des djihadistes qu'on s'orientait, compte tenu des paras et des enfants juifs. J'ai pas retenu votre question. Non, non, c'était est-ce que aurait-il bénéficié de complicité, ou est-ce que vous pensez réseau, que c'est quelqu'un qui était tout seul? Je ne pense pas un réseau. Complicité, oui, réseau, non. Vous savez comment fonctionne Al-Qaïda. Quelque part, il y a un grand gourou qui délivre un message, et puis après, un peu partout sur la planète, il y en a qui se croient investis de la mission de le réaliser. Donc ce garçon avait visiblement, Prudent, un réseau familial, mais un petit réseau familial personnel, mais c'était absolument pas... Et quelqu'un comme ça qui est visiblement fiché, repéré, puisqu'il a fait apparemment des voyages en Afghanistan et au Pakistan, est-ce que quand il est en France, même si effectivement on ne peut rien prouver contre lui, tant qu'il n'a pas commis d'acte, est-ce que quand même il est fiché, repéré, est-ce qu'on le surveille? Est-ce qu'on connaît ses allées et venues ou pas? Non, on ne connaît pas ses allées et venues. Il est fiché, il est contrôlé, il y a des fiches d'attention qui veulent dire que chaque fois qu'il passe dans un passage, frontière ou autre chose, on donne une trace, remonte dans la banque de données, mais surveillé en permanence, non. Est-ce qu'on a une idée, c'est aussi le sens de la question de Gilles, du nombre de gens qui correspondent à ce profil en France? Honnêtement, je ne le sais pas, mais il y en a plusieurs dizaines. Si vous voulez, il faut bien comprendre, on oublie quelquefois qu'à la minute où on parle, quelque part dans le monde, sous une tente dans le désert, ou dans un bidonville palestinien, où il y a quelqu'un qui pense qu'il faut qu'il commette un attentat contre les Occidentaux. Donc ça, c'est clair, pour des tas de raisons que vous connaissez aussi bien que moi. Après, il faut passer à l'acte, c'est plus compliqué. Donc, si vous voulez, en France, il y a un certain nombre de gens qui sont là, qui ne rêvent que de ça, qui ne peuvent pas passer à l'acte pour des tas de raisons. Peut-être qu'ils n'ont pas le courage, ils n'ont pas les moyens. Mais à partir du moment où il y a l'opportunité, c'est clair qu'il y a un danger. Et dans la situation de ce matin, est-ce que l'expert que vous êtes pense plutôt à coup d'arrêt ou au contraire relance d'un climat qui est un climat qui peut être un climat terroriste? Alors, pas coup d'arrêt. Et encore une fois, là, il faut être archi prudent étant donné la situation. J'allais dire, je ne voudrais pas employer de... C'est pas un coup d'arrêt, mais là, maintenant, pour un moment, je pense qu'on est tranquille. Parce que, justement, c'est difficile de trouver les moyens et tout ce qu'il faut pour passer à l'acte. Donc, on est tranquille pour un moment, mais ça ne veut pas dire que... J'imagine quand même que tous ceux qui sont fichés et répertoriés, là, vont faire l'objet... pendant les semaines qui viennent, d'une surveillance plus conséquente. Donc, prolongation de Vigipirate un peu partout en France, notamment pendant la période de la campagne. Oui, tout à fait. Est-ce que le choix du moment apparemment de ce meurtrier présumé, est-ce qu'à votre avis, c'est quelqu'un qui a construit son affaire, en pleine campagne présidentielle? De votre point de vue, ça n'est pas neutre? Alors, honnêtement, je ne sais pas vous répondre. On le saura justement si on arrive à l'interpeller. C'est possible. Mais j'arrive pas à penser, parce qu'à mon avis, ça va pas voler très haut, tout ça. Je sais pas si c'est vraiment dans le... J'en sais rien. Il est jeune, hein, 24 voilà, ans. Soyons prudents, mais je ne sais pas si on peut raclérer un lien entre la campagne et ce qu'il a fait. Je ne sais pas. Est-ce que la probabilité, s'il y a des probabilités qui existent dans ce domaine, de le prendre vivant, de quelle nature est-elle? C'est l'incertitude absolue. Il peut, à la minute, décider de se rendre. Parce que le problème est simple. Ou bien il se rend, ou bien il est construit intellectuellement, il a une logique, il se rend, il sait qu'il va avoir un procès, une tribune, etc. Ça, c'est la logique du militant politique. Voilà. Et ou bien c'est vraiment, quelqu'un qui a fait ça avec ses tripes, et il peut très bien se tirer une balle dans la tête au moment de l'arrivée. Parce que là, à mon avis... ils ne vont pas attendre toute la journée. Disons qu'à la mi-journée, raisonnablement, ou bien il s'est rendu, ou bien il faudra donner l'assaut. Qui donne l'ordre, dans des circonstances pareilles, pour donner éventuellement l'assaut? C'est le procureur. C'est le procureur. Hein, tout ça se passe avec le procureur. Vous savez, il y a toujours un petit conflit. Le ministre de l'Intérieur est en charge de l'ordre public, et nous sommes, mais en même temps, c'est le procureur qui est le patron de l'enquête, et c'est lui qui doit donner... Que, par exemple, un président de la République, peu importe lequel d'ailleurs, dans une affaire de ce type-là, est-ce qu'il peut, lui, donner éventuellement un ordre, ou c'est complètement farfelu d'imaginer ça? Il suit la situation depuis la nuit. Hein. C'est pas farfelu, mais le mieux, c'est que ce soit le procureur qui donne l'ordre,
parce qu'il va y avoir quand même, si vous voulez, c'est le commandement de l'ordre de la loi et le commandement de l'autorité légitime. Et en l'occurrence, l'autorité légitime sur l'affaire elle-même, c'est le procureur. J'en reviens à l'hypothèse qu'on évoquait tout à l'heure avec Gilles, qui est celle de ces gens qui vont en Afghanistan. Bon, on se doute bien qu'ils ne font pas ça pour des voyages de tourisme, même s'ils ont des passeports touristiques. Donc on sait très bien pourquoi ils y vont. Quand on voit des jeunes de 24 ans qui partent à la frontière entre le Pakistan et l'Afghanistan, on se doute bien que c'est pour aller dans des camps, etc. Donc ce que je comprends pas très bien dans ce que vous dites, c'est comment se fait-il qu'ils ne soient pas plus surveillés? Mais c'est une... Ou alors est-ce qu'au départ du voyage, le voyage n'est pas identifié? Apparemment, il avait des armes. Donc, compte tenu de son profil, est-ce qu'on ne surveille pas éventuellement des achats d'armes? On ne peut pas, c'est clair, il faut le dire, on ne peut pas surveiller tous les gens qui sont en relation avec la mouvance terroriste et qui sont susceptibles, cas échéant, de commettre un attentat. Ceci étant, il ne faut pas oublier qu'il y a eu énormément d'arrestations préventives par la DCRI, qu'il y a beaucoup de réseaux qui ont été démantelés avant d'avoir pu agir. Et infiltrés, je suppose. Et infiltrés aussi. Alors, c'est beaucoup plus difficile aujourd'hui qu'avant. Il fut une heureuse époque où une réunion d'ordre nouveau, la moitié des membres, c'était des policiers, des RG. Bon, c'est fini tout ça. Je veux dire, il y a des profils, ils sont très durs, ils font attention, ils sont quand même méfiants. Et puis surtout, les représailles sont terribles. Donc, l'infiltration existe, mais elle est compliquée. Mais on ne peut pas arrêter tout le monde, on est obligé de faire, nous sommes en démocratie, nous avons des lois de protection de l'individu et ça s'applique à tout cela. Bon, pour le moment, M. Guéant, et je comprends sa prudence au niveau politique, dit il est français d'origine algérienne, ça va aussi poser des problèmes de stigmatisation, etc. Je veux dire, c'est la question politique qui va se passer, voilà, qui va se poser après l'enterrement, après, le double enterrement. Absolument. Celui qui a eu en Israël ce matin et à Montauban cet après-midi. Voilà. Et le profil du bonhomme quand il sera ébûché. Gilles, autre question, autre réflexion ce matin. Là, qu'est-ce qui peut se passer tout ça, dans la tête des éléments du RAID qui sont juste devant la porte? Une fois qu'on est arrivé au bout des négociations, on attend donc l'ordre du procureur. C'est très technique et très professionnel. On négocie. Pardonnez-moi. Oui, je vous en prie. On négocie tant qu'on négocie. Et puis à un moment, les négociateurs vont dire, écoutez, patron, on ne peut pas aller plus loin. Visiblement, ce mec est buté, on n'ira pas. Donc là, il y a une décision à la fois d'ordre public, technique,